Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes comme ça en direct de Yaoundé. Après la défaite des Lions indomptables du Cameroun face au Sénégal. Mais qui va nous venir là? C'est pas le manager sélectionneur? Mais oui, c'est bien lui. Bonjour manager sélectionneur. Bonjour manager. Faut pas bousculer le manager sélectionneur. Désolé manager sélectionneur. C'est de ça qu'il s'agit. Avez-vous un peu de temps à nous accorder? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah super, c'est très bien. Bon, après la défaite 1-0 contre le Sénégal, qu'avez-vous à dire au peuple camerounais? Non, que le peuple camerounais soit posé, c'est le schéma. On a joué à côté des métis. Posé comment? On ne comprend pas. Non. Le Sénégal, les Sénégalais ne savent pas qu'ils sont en danger. Nous voulons créer une situation où les Sénégalais croient qu'ils sont dans une place, dans une situation confortable. Donc là, en tant que grand tacticien, oui, manager sélectionneur, je suis un coach qui n'a rien à envier à Guardiola. Donc, d'accord, j'ai fait ce schéma, d'accord, pour que le Sénégal baisse la garde. Okay, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, manager sélectionneur. Effectivement, vous affrontez le Sénégal en CAN, en match de poule. Oui. Et en vue de cette poule, on se dirait, est-ce que le Cameroun est capable de sortir de cette poule-là, vu que vous avez de très grosses équipes? Non. Quelles sont vos impressions? Non, on ne connaît pas la patte gauche du poulet dans la sauce. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire, Cameroun? Non, j'ai causé avec le président de la fédération. Oui. Tous les joueurs sont là, nous sommes sereins, nous avons okay. Hemlé. Dans cette poule, tout le monde dit que c'est la poule de la mort, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Cameroun, c'est la mort de cette poule. Donc tout le monde avait peur de nous affronter. Okay. Et je suis sûr que nous sortirons premier de cette poule. Okay. Parce que même si le Sénégal nous a gagné aujourd'hui, on dit souvent que c'est pas le premier à arriver à Bamenda qui parle le mieux l'anglais. D'accord, c'est de manager. Ça qu'il s'agit. On n'a tout pas compris, mais bon. Non, ça c'est va, de ça qu'il s'agit. Ok, manager. Mais après le match, on a eu l'impression que les Sénégalais, vu qu'ils s'appellent aussi les Lions de la Teranga, ils se sont approprié le terme. Ils disent qu'ils sont les meilleurs Lions d'Afrique actuellement. Oui, j'ai causé avec mon ami et frère Aliou Cissé. Oui. Il dit que désormais c'est eux les vrais Lions. Okay. Il a oublié les défaites que le Cameroun les a infligées. Nous avons toujours battu le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Okay. Et vous savez que quand on encourage un fou qui danse, il finit par se prendre pour Michael Jackson. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'ai causé avec les joueurs et le président de la fédération, il est d'accord avec notre façon de fonctionner. Okay. Nous étions dans l'urgence pour ce match. Oui. Nous avions joué 3 jours avant chez l'ami de Samuel Eto'o, okay, le président de la fédération, chez Poutine. D'accord. Et nous étions un peu fatigués. Il n'y avait pas mes quatre. Mm-hmm. Il n'y avait pas Zambouanguissa, Choupo-Moting et Mondolin Beizo. Il n'y avait pas Nou Tolo. Donc, que les Sénégalais ne se réjouissent pas trop de ces matchs. D'accord. Parce que, comme on dit souvent, c'est là où tu montes que tu finis toujours par descendre. On n'a pas compris. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, manager, sélectionneur. Oui. Bon, comment préparez-vous alors cette CAN tant attendue? Non, si une femme te pousse, tombe d'abord. Tu ne sais pas ce qu'elle va te donner quand tu seras au sol. Mais on ne comprend pas. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous sommes sereins. Nous travaillons en étroite collaboration avec la fédération. Le président était là, vous l'avez vu. Cédric Doumbé était dans les tribunes. Okay. Donc, nous savons que toutes les équipes de la CAN nous craignent. Donc, nous arrivons à la CAN mm-hmm. avec un peu moins d'humilité parce que nous sommes les Lions indomptables. Je suis le capitaine Courage. Nous avons le Hemlé. D'accord, là, j'apprends le Hemlé aux joueurs. Mm-hmm. Les joueurs sont là, ils sont sereins. Oui. Ils savent qu'ils seront très attendus pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Que les Camerounais soient tranquilles. En Coupe d'Afrique des Nations, les filets vont trembler. D'accord, merci coach. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, aussi la présence de nouveaux joueurs comme le célèbre, ce jeune Yongo, le numéro 18. Yongwa, s'il vous plaît, désolé. Oui. Que pouvez-vous dire par rapport à cette apparition? Non, c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Mais qu'est-ce que ça veut dire, coach? Non, le petit Yongwa, il a joué dans des conditions que vous connaissez. Nou Tolo n'était pas là. Oui. Le petit, on l'a mis au stade. Okay. Il était là devant le président de la fédération. Il a prouvé et je crois que désormais, il sera titulaire. Nous d'accord, voulons les joueurs qui ont le Hemlé. Oui, et Yongwa a montré qu'il a beaucoup de Hemlé. Vous l'avez vu au stade. Tout oui, le stade oui, l'a oui. acclamé. Oui. Il y avait la tribune de la tribune Sergio, ils ont tous crié Yongwa, donc moi j'ai fait les bons choix et maintenant j'espère que nous allons gagner la CAN. D'accord, parce que coach. Nous sommes les meilleurs, c'est de ça qu'il s'agit. Bon coach, merci. Et une dernière question pour finir, oui. Quelles sont pour vous, au vu de ce match, pensez-vous que le Cameroun reste favori pour cette CAN? Non, si tu vois les 5000 d'un Baham, c'est qu'il est en train de faire le dépôt à la banque. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire quoi? Non, nous avons toujours été favoris et nous restons les favoris. Oui.
nous sommes dans la même poule que le Sénégal. Oui. Mais en Coupe d'Afrique des Nations, nous avons toujours gagné. Les Camerounais, nous venons avec le Hemlin. Oui. Nous avons perdu face au Sénégal. Et les équipes pensent que nous sommes devenus faibles. D'accord. Pourtant, même si le lion maigrit, il ne deviendra jamais le chat. Nous sommes toujours les lions indomptables. Que le peuple camerounais soit serein. Okay, le manager sélectionneur, il est là. Et on va bien gérer cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes les favoris. D'accord, coach. Donc, merci. La CAN sera cette aquatique. Oui. Là, nous prenons les cours de natation. Les cours de natation, comment? Non, coach, rendez-vous en janvier. Tu sais que nous serons à Yamoussoukro. Oui. Et nous allons profiter de la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est coach. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, coach, on vous souhaite tout le bien du monde. Merci. Et bonne soirée encore, coach. Merci. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1 500 € à un taux fixe de 2 euros, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes-Unis, les États-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo SNIPER pour bénéficier de 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble.